Salut tout le monde, on est ensemble pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur une exclusivité. Et oui, c'est Uncharted 4. Je vous laisse profiter de l'intro. Hey, you know what never loses signal? Paper. All right, this route right here should take us straight to the volcano. Might get a little bumpy though. Let's get the show on the road. Et on démarre. So, what are we looking for? Donc regardez-moi cette végétation. Les rochers, les piafs là qui passent, les nuages là à droite là, à gauche aussi. Lâchant que vous allez pas bien là. Je sens que vous allez pas bien du tout. Tellement ça vous pique les yeux. Donc je vous rappelle qu'une charte va sortir au mois de mai. Donc là on va monter ici, ok. Voilà, hop. Ça c'est bon ça. Bon, je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai fait pour avoir cette exclusivité. Hop. On va... Ok, tranquille. On va monter ici, hop, hop. Voilà. Donc là, ça doit être un petit item là. Et voilà le premier item. You found a treasure. Il y a un petit saut. Parfaitos, bien faitos. On va se reprendre le petit 4x4 là. Allez. Allez, on y va les amis, on va faire un tour. Oh là là, la flotte, comment c'est beau. Vous avez vu ça un peu, c'est... cette rivière, cette boue. Regardez les oiseaux là qui s'envolent. Oh là là. C'est very, very, very nice. Ah, une petite cascade, on va voir ce qui se passe dans la cascade. On va aller vers la cascade. On va rentrer à l'intérieur. Regarde-moi ça. Look-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. Là, je vais m'accrocher là-haut. Hop. Non, on va faire tomber la caisse. Voilà, tranquillou. Well, maybe we can preempt any trouble we might get into. Can you still reach out to him? Her. Oh. It's a note. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être un petit parchemin. Non, c'est un livre. Voilà. Been a few years since we've seen each other. Maybe time for a visit. Maybe. First, let's wrap this up. Ah, très intéressant. Donc là, je vais repartir dans le 4x4. Comme je vous préviens, ça va pas être long. J'ai le droit de vous montrer que 16 minutes. Alors là, on va sur la boue. Hop. On saute dans la flotte. Oh là là. C'est génialissime. Alors j'essaie de vous en faire profiter pendant ces 16 minutes. Vous vous en mettez plein la vue. Voilà, oh là là. Attends, c'est galère là pour rouler. On ressent bien, c'est dur hein, sur la manette. Là on a la dureté là, de l'avancement sur cette gadoue. Cette grande gadoue. Cette boisse. Ah, je vais prendre le pont là, hop. Oh, j'ai cru que j'allais tomber là. Allez, on y va. On va monter sur la boue là, ici là. On va monter au-dessus.
Allez, vas-y, roule ma poule, roule. Hein, c'est la galère. Putain, ils ont bien simulé. Hein. La montée en boue est vraiment exceptionnelle. Hein. Vraiment, vraiment exceptionnelle. Là, j'essaie de monter encore. Hop, hein, je vais monter encore. Non, putain, ça dérape, ça dérape. Nathan, the rocks. I got it, I got it. Okay, I think I'm getting the hang of this. There we go. C'est very, 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 very nice. Regardez-moi cette herbe, cette végétation, ces rochers. Et le, surtout la montagne. Regardez là-haut, là-haut. Bon, allez, on va tourner ici. Et la flotte. Regardez-moi cette flotte. Non, je vous raconterai après comment j'ai fait pour avoir ce jeu. C'est un rapport avec la flotte d'ailleurs. Oh, les marsupilamis, là où je sais pas, ou les marsupilamis. Je sais pas ce que c'était exactement, mais j'ai l'impression que c'était des marsupilamis. Hey, allez, hop, on va dans la flotte. Oh là, magnifique. Voilà. So you sprung for the winch, but you couldn't spring for the suspension. I got it. Hey, it's important. Going off road, it might rain, it might be muddy. Je vais tourner par là. Ok. Oula, c'était chaud. J'ai cru que j'allais tomber. Allez, un puc. Oui, voilà, ça c'est bon ça. Oh, regardez-moi ces arbustes. C'est pas génial tout ça. On se croirait vraiment dans la savane. Oh là là. Tout à fait, Jean-Claude, tu as entièrement raison. Je sais pas ce qu'il est en train de me dire. Regardez, encore un marsupilami, ou je sais pas ce que c'était. Ça brille. Ça pique les yeux. J'en ai la rétine toute déformée. Ouais, je vais me poser ici. Non, on va essayer de monter. Ah, ça monte pas. C'est la gadoue, c'est la gadoue. Allez, on va monter là-haut. En même temps, je peux pas monter en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Christopher Condon sigils, captain of the Fiery Dragon, operated out of Madagascar around Avery's time. So maybe Avery recruits pirate captains. Wow. What be his lookouts? That don't make any sense. No, it doesn't. Well, maybe each captain was responsible for a tower. Ouais, ça doit être un item qui doit avoir un rapport avec l'histoire. Regardez-moi la profondeur du champ. Oh là là. Regardez-moi cette profondeur de champ. Et les animaux en bas. Ça pique. Ça pique la rétine. Allez hop, on va monter là-dessus. Hop. Je vais longer. Bah, c'est comme les anciens Uncharted. Hein. La maniabilité, elle est aux petits oignons. Un petit item encore. Voilà, voilà. Et un petit saut qui va bien. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arme? Un truc secret, non? Bark stripped away. Ah. D'accord, on peut accrocher quelque chose. Ah ouais, ouais, c'est, je vois. Alors on va descendre en bas. Je crois que sur le 4x4, il y a un petit truc en rappel. Tu sais, les trucs en fer là où tu tires dessus. Donc voilà, on va les récupérer. Hop, tire-moi ça. Allez, on va monter là-dessus. Je vais l'accrocher à l'arme. Et après, c'est ça qui va nous faire remonter. Ça va être nickel. Voilà, on va remonter. Hop, petit saut, petite glissade. Allez, hop, sur la gadoue. Ah, ah. Voilà, c'est magnifique. Putain, mais c'est beau quand même. Vraiment, regardez-moi les. C'est vraiment beau. Voilà, donc là, je me fais remonter. Voilà, nickel. Parfait. Donc, voilà, je pense qu'il faut le décrocher. Là, je le décroche. Tac. On rétracte le truc. Voilà. C'est parfait. Allez, on y go, les amis. On est parti pour l'aventure. L'aventure sur Uncharted 4.
Oh là 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 là, ça pique les yeux. Regardez-moi l'aigle qui vient de passer et tout ça. Regardez-moi ça. Ce n'est pas-t-il pas magnifique tout ça? C'est génialissime. Donc je vais vous dire en fait comment j'ai fait pour avoir cette exclusivité de jeu. C'est qu'en fait je suis parti récemment. Regardez-moi les animaux sur le côté. Regardez-moi ça. Oh là là. Je suis parti récemment à la pêche. Et en fait, voilà, c'était le 1er avril, donc j'ai pêché un poisson. Donc voilà, elle était bonne la blague. Hein. Je suis désolé, il fallait que je vous la fasse. Donc en fait, là, c'est une vidéo qui tourne. Ce n'est pas moi qui joue. C'était une petite blague en retard du 1er avril. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine réelle vidéo. Allez, salut.